Bonjour, ici Pasteur Timothée avec Jésus Ministère International. Dans Jean chapitre 17, on lit ceci. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie et que selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Prions. Merci, Père. Nos cœurs sont débordants de joie. Non seulement on croit en toi, mais on peut te connaître. Une personne unique, celle qui nous a fait connaître Jésus. Merci pour la vie éternelle pendant toute l'éternité qui débute déjà maintenant. C'est ici l'éternité. C'est maintenant qu'on te connaît. C'est maintenant que tu agis en nous. C'est maintenant qu'on déborde de joie, qu'on parle de toi, qu'on te fait connaître, ainsi que celui que tu nous as permis d'aimer pour son sacrifice à la croix, pour sa résurrection, Jésus-Christ, qui transforme nos vies, qui change nos cœurs et qui nous professons son nom toute la journée. On parle de lui, on fait connaître son amour. Merci Seigneur, parce que c'est une promesse déjà que Jésus disait, que Jésus a prié. Il te remerciait parce que tu lui avais donné des gens à qui lui-même redonnait la vie éternelle. Eh bien, c'est nous maintenant, c'est moi maintenant. Et je te loue, Père, et je veux te connaître. Je veux une relation intime avec toi, par Jésus et ton Esprit Saint. Je vous souhaite une très belle journée au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. À très bientôt.